Mathieu, l'arrivée du rallye des boucs capelloises, comment ça s'est passé? Bah, bonjour Greg, bah, ça s'est bien passé. On a eu, ça a été un peu le bordel ce matin avec les temps forfaitaires, mais bon, on va dire qu'on a passé un très beau rallye. On était 3 au départ, 3 à l'arrivée. On a fait des bons temps, on s'est amélioré, François s'est amélioré, donc tout le monde est content. Et Anne-Charlotte, ton rallye avec ton chéri? Toujours un plaisir de rouler avec mon chéri. Parce que, comme il a dit, c'est vrai que c'est dommage pour les temps forfaitaires. Le principal, c'est que l'équipage va bien. On a pris du plaisir et franchement, c'est des belles spéciales. Et... jusqu'à la troisième, j'ai adoré. La deuxième voiture du team est à l'arrivée. C'est super. On est tous ensemble. Théo Dujardin et Kenzo, c'est pareil, ils sont là. Donc c'est top. Les trois voitures sont à l'arrivée et on ne pouvait pas espérer mieux. Vous avez des tours, des marteaux et c'est reparti. Bon, le petit mot pour le deuxième équipage, Céline. Ça a été le rallye avec François? Ouais. Pour mon deuxième avec François, ça s'est super bien passé. On a bien roulé. On s'est fait plaisir et puis on est à l'arrivée. Donc que du bonheur. C'est que du bonheur. Que du bonheur. Bon, François, la Mitsubishi te va mieux en groupe N qu'en groupe A? Bah, je vais pas leur faire plaisir, mais en fait, oui, j'échangerai plus pour rien au monde, en fait. Non, franchement, j'adore cette auto. On prend beaucoup de plaisir à son volant. Et puis après, je profite de ta vidéo pour remercier vivement Mathieu, la team, son papa, enfin voilà, de l'environnement qui me réserve pour la voiture, pour la préparer. Elle fait preuve d'une fiabilité sans faille. Comme disait Mathieu et Charlotte, les voitures sont à l'arrivée. On gagne tous les deux la classe. Théo fait un super résultat. Bon, je pense que ça prouve la qualité et la valeur du travail que Mathieu accomplit. Et je le redis, je profite de la vidéo pour le remercier de vive voix. Quoi. Donc forcément, au bout du compte, on est heureux. Quoi. On est heureux. Bon, l'adresse du garage. L'adresse du garage, alors c'est à rue, ça s'appelle le Team Auto Rue, mais précisément... Tout Crotoy. C'est ça? 26 route bon, du je te fais confiance. 26 route du Crotoy. Voilà, donc 26 route du Crotoy, voilà, à rue. On va passer à la suite. C'est bon, t'as l'adresse, tu peux pouvoir retourner chercher la Mitsubishi. Bah là, on va la ramener et puis je pense qu'encore une fois, je vais la confier à Mathieu qui va en prendre bon soin et puis qui va débosser un petit peu la porte parce que je l'ai un petit peu abîmée, mais bon, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé, la porte? T'as pris une chic? C'est un ballot qui a traversé la route? Non, là, je me suis un petit peu appuyé sur lui. Il était vraiment mal placé, donc j'ai été obligé de bien le replacer pour les suivants. Voilà. Donc tu fais la classe N4. Oui, alors là-dessus, après, bon, ça c'est anecdotique, c'est ce que je disais tout à l'heure, parce qu'on était les seuls au départ. Donc c'est pas la gloriole de dire qu'on a gagné la victoire de classe. Ce qui était important, c'était de continuer à performer avec l'auto, de continuer à la prendre, d'avoir une auto hyper fiable. Et puis c'est vrai, j'ai le plaisir d'avoir pris un temps à Mathieu pour une seconde dans une spéciale. Alors ça, je vais pas bouder mon plaisir, effectivement. Voilà. Et ça vaut plus qu'une victoire de classe. Quoi. Donc ça va un coup au bar ce soir, enfin tout à l'heure. Ouais, puis ça va me coûter, à mon avis, une paire de restaurants dans la semaine, je pense. Hein. Bah, merci à vous, puis on vous retrouve où? Prochain rallye pour les deux Mitsubishi? Le Mans ensemble, mais après il y a Fiona qui va reprendre le baquet de droite avec moi et ça sera au Centurion. Et nous pour l'instant on ne sait pas encore. Dixième en général et deuxième de la classe pour le four. On peut remercier Négo Pré sur la Mitsubishi, Valérie Macron. Bah on remercie Valérie Macron hein, de renouveler sa confiance envers nous et voilà, c'est un ami maintenant, on se voit régulièrement et voilà, on le remercie. C'est tout. Et François, il y a des partenaires à remercier? Oui, il y en a quelques-uns. Après, tous les cités. Il y a la société de travaux publics de Céline, à RHTP. Il y a le restaurant Le Soun. Il y a les cabinets d'orthopédie Synergie. Il y a Bevin. Il y a Ligné, travaux publics. Il y a Opal Color. Et il y a le Team Autoru. Voilà. Bah, merci. Puis, je pense qu'on peut faire un petit clin d'œil aussi à Bernard Sab et Techno Plus pour les pneumatiques, pour le matériel et puis les conseils avisés de Mathieu sur la gestion des pneumatiques Kumho qu'il connaît par cœur. Voilà, bah c'est parfait. Merci à vous, puis faites bien la fête ce soir, il fait beau, on profite. On va aller prendre une douche aussi. Salut, à bientôt.